Un bateau aux lignes futuristes, des performances aérodynamiques hors normes, l'Evian One surprend puis séduit. Sa conception marie avec malice l'eau et l'air en lui permettant d'atteindre actuellement une vitesse de 70 km/h. L'astuce technologique pour atteindre de telles performances réside dans sa conception. Les lignes profilées de sa coque et des hélices fonctionnant dans l'eau comme dans l'air lui permettent de s'élever sur l'eau pour une navigation en suspension. Une originalité qui réduit sa consommation de carburant et son empreinte écologique. Une exigence souhaitée dès sa conception. Est-ce que c'est un sous-marin? Voilà, c'est souvent ce qu'on entend, vous mettez là sur les quais. Les gens disent, oh, on dirait un sous-marin. Le cabinet d'architecture Adevé a conçu un bateau qui a un profil d'aile d'avion. Ce qui explique que l'air qui va s'engouffrer entre les deux coques va créer en fait une force de sustentation et qui va alléger en fait le bateau. Et l'objectif, c'est d'alléger en fait le bateau de 30% pour gagner en fait en poids et gagner en vitesse et gagner en carburant. Long de 12 mètres, l'Evian One est un bateau taxi de prestige. Il peut accueillir à son bord 8 passagers pour une traversée en un temps record du lac Léman, soit le trajet Genève-Evian en moins de 40 minutes. Pour le moment, on n'a pas eu des gros moments difficiles à gérer, mais des belles rencontres par contre. Je pense aux gendarmes de Lausanne, de Genève et la fluviale d'Evian. Des rencontres très enrichissantes. Le bateau a été conçu pour pouvoir atteindre des vitesses de l'ordre de 90, voire 100 km/h. Mais on restera modeste, 90 km/h, quelque chose qui nous va bien. Donc nous sommes en train de tester plusieurs types d'hélices pour améliorer ce ratio de performance et de consommation. Aux couleurs de l'Evian Resort, ce catamaran d'une nouvelle génération est révolutionnaire, rapide et écologique. Amarré au port d'Evian, ce bateau reste un prototype qui doit affirmer sa technologie embarquée pour monter en puissance. 5 ports du lac Léman sont actuellement desservis par le bateau.